Bonjour et bienvenue, et on est sur le toit. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Donc j'ai mis un nouveau mode. J'avais parlé de la dernière fois du mouvement, en fait, la vitesse de mouvement du personnage qui me dérange, honnêtement. Elle est jamais parfaite. Il y a toujours un jeu auquel je fais référence, et même quand je joue à The Long Dark, tout ça, c'est Escape from Tarkov. Escape from Tarkov, vu qu'il est développé que sur PC par des PCistes et tout machin, il est extrêmement bien fait et il a vraiment des choses PC. C'est un peu comme, par exemple, ce mode-là, avec l'inventaire et tout ça. C'est très, 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 très PC. Le fait de pouvoir changer les valeurs et tout ça. Enfin, voilà, bref. Et on a un mouvement, en fait, sur Escape from Tarkov qui est vachement bien pour clavier et souris. C'est la vitesse, en fait, du personnage. Elle est gérée par la molette. Tout simplement. C'est tout con, je sais. Il y a d'autres jeux hein, qui font ça, mais pour des jeux qui sont connus de nos jours, par exemple Escape from Tarkov, ça va sûrement un peu plus parler aux gens que si je parle d'autre chose. Et du coup, il y a un mode qui fait pareil. Tada! Il y a un mode qui fait exactement pareil. Donc vous pouvez voir que je peux baisser tout simplement légèrement la vitesse, la réduire, l'augmenter en fait. Et c'est tout fluide, c'est complètement fluide. Et ça, c'est avec la molette du coup. Parce que la molette, en fait, dans Starfield, c'est comme Fallout, au final elle sert pas à grand chose à part changer de première vue en fait à vue troisième personne, un peu plus éloignée, un peu plus proche. Donc voilà, il n'y a que trois mouvements en fait. Donc c'est avant et arrière. Donc du coup j'ai mis ça sur page up et page down, évidemment. Comme ça m'embête pas, vu que je joue quasiment tout le temps en plus en première personne, donc ça me dérange pas. Mais là vous pouvez voir en fait le personnage, donc je peux réduire en fait la vitesse. Donc on peut marcher plus lentement que la normale, on peut avancer normalement, on peut commencer en fait à faire un petit jogging et après accélérer jusqu'à la vitesse normale. Et voilà. Et après bien sûr on peut sprinter évidemment comme d'habitude. Donc ouais, c'est vraiment cool. Et du coup on peut avoir du coup la même vitesse aussi que les personnages qu'on suit. Je crois que la vitesse la meilleure, je crois que c'est 137% si vous voulez des détails, un truc comme ça. Je crois que c'est à peu près ça. Ça c'est la vitesse des NPC dans le jeu. Si vous vous augmentez un peu trop, si vous passez à 138%, en fait, votre personnage va commencer à faire un jogging. Et du coup, ça fait bizarre, ça fait comme s'il faisait un jogging au ralenti, en fait. Mais voilà, je crois que c'est 137% la vitesse d'un NPC, donc maintenant on peut les suivre. Mais honnêtement, suivre les NPC, c'est pas vraiment... Alors je sais que c'est chiant, personnellement je le dis aussi, hein, mais c'est même pas vraiment le problème avec ça pour moi. C'est le fait, en fait, d'avoir, en fait, le mouvement. Genre, ça c'est le mouvement en fait normal, vanilla du jeu, le mouvement du personnage en fait. Et je trouve en fait que quand on explore, à un moment on était dans le vaisseau avec, vous savez, un alien, vous vous rappelez de ça? Et je l'ai dit à ce moment-là, j'ai dit que le personnage en fait se déplace trop vite. Tout simplement, le personnage se déplace vraiment trop vite, si vous jouez clavier-souris, apprécier, genre pour voir les choses, regarder. On dirait qu'on est Doomguy quoi, c'est pas vraiment un mouvement normal... Pour explorer, pour un jeu comme ça. Et après, si on se met à marcher... Bon, là, ma marche, elle est un peu plus rapide parce que, à cause du mode. Mais si on se met à marcher, c'est grave trop lent. Donc, il faudrait entre les deux. Et oh, arrête de foutre le bordel. Et du coup, avec ce mode, en fait, vous pouvez le faire. Vous voyez que là, en fait, je réduis ma vitesse. Donc, je peux regarder tout ça. Je réduis ma vitesse, je peux l'augmenter, je la réduis. Je la mets au minimum. Vous voyez, donc c'est vraiment vraiment bien du coup pour tout ce qui est exploration et tout ça, c'est vraiment cool. Et il y a un truc pas mal aussi, c'est que si par exemple là je suis au minimum, si je vise, en fait ça va la reset au vanilla maximum. Et du coup, ce qui est bien en fait dans un sens, parce que quand vous visez, ça veut dire qu'il y a des ennemis, vous voyez ce que je veux dire, donc vous êtes en alerte, donc du coup votre vitesse s'est réinitialisée. Et après bien sûr vous pouvez passer de la vitesse la plus petite à sprinter directement aussi, donc ouais. Donc vraiment vraiment cool. Quoique, attendez, que je fasse des tests. Non, si on marche, non. Il faut que le sprint soit un peu plus... Ouais, voilà. Il faut que le sprint, en fait, je pense que c'est par rapport à l'animation. Si je dis pas de bêtises. Genre, là, je peux sprinter. Donc, ce qui est normal, hein, évidemment. Si par contre, je marche... Ouais, je peux pas sprinter, en fait. Ok, faut que j'atteigne une certaine vitesse en fait pour sprinter. Oui, je crois que le modeur en avait parlé. C'est pour éviter d'avoir une sorte de triche où le jeu en fait va additionner les deux vitesses.
Donc voilà. Donc honnêtement, y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien. Faut juste réinitialiser. Non, faut juste changer des binds en fait. Des raccourcis pour ceux qui veulent tester le mode. Ça s'appelle Let's Walk Together. Donc marchons ensemble en gros en français. Bien sûr sur le Nexus. Donc il y a deux touches, je crois. Il y a trois touches en gros à changer. Donc caméra zoom et zoom, dézoom et zoom. Donc vous changez ça, vous enlevez la molette en fait. Et après vous avez la marche. La course auto, donc moi je l'ai mis sur le contrôle droite, c'est vraiment la touche que je touche jamais. Donc voilà, vous mettez ça sur autre chose aussi, et c'est bon. Et après tout fonctionne. Et bien sûr, il faut prendre le petit fichier qui permet d'avoir le hotkey en fait avec la molette. Parce que de base, non, il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Il y a plein de variantes aussi, pour ceux qui aiment et tout ça. Pour ceux qui veulent des trucs un peu plus précis et tout ça, il y a plein de variantes. Voilà. Pourquoi je parle de ce mode? Parce que je sais pas, je trouve qu'honnêtement il est super bien fait. Il est vraiment super bien fait. Donc ouais. En tout cas, non, c'est arrêté là. Donc on est à la. On est où? Je me rappelle même plus de ce qu'on faisait. On était donc à la villa de Vlad. Parler à Barrett. Oui, c'est parce que là il est dans le vaisseau. Ah oui, il y avait un truc que je voulais faire aussi. Vu qu'on est à terre. Parce que la dernière fois, on a notre compétence en fait qui a pas augmenté. Donc, on va virer Sarah. Alors, Sarah, tu vas faire ça. Normalement, elle nous suit toujours. Sarah, elle est spéciale. Et nous, on est limité donc à 4. Ouais, donc là, on est à 4. Il n'y a pas de problème. Si j'essaye d'en mettre un autre, par exemple, Andréja. Ça va atteindre le nombre. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est Sarah en fait qui fout la merde, j'en sais rien, mais je sais que Sarah elle compte pas. Mais ouais, je sais pas trop pourquoi ça a pas augmenté. Détruisez ou abordez 5 vaisseaux avec un équipage de 2 membres ou plus. Un équipage. Équipage, c'est que dans notre vaisseau. Parce qu'après, il y a toujours beaucoup de gens en fait dans les vaisseaux ennemis, donc ce serait débile d'avoir ça en défi, ça aurait aucun sens. Et aborder, genre détruire avec un équipage de, enfin, c'est pas comme si plusieurs personnes pouvaient nous suivre, donc c'est vraiment des membres d'équipage quoi, enfin du vaisseau en gros. Donc je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné la dernière fois. Peut-être un bug, je sais pas. En tout cas, on verra. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que je me rappelle qu'on voulait se balader un peu et on est tombé ici. Vous voyez là, je peux un peu modeler en fait. Non, pas modeler. Changer un peu ma vitesse et tout de course et tout, c'est cool. Memory's vault comes through on the exact time, but my career in the fleet took a turn as the UC stepped up its efforts. Not the first or last time they tried to wash the bloody tab. Caught a smile being with the crew whose captain took the challenge to play smart. If every breach and storm was a fight to the death, might as well make it for the highest takes. And why not take the time to learn all the locks and bolts? Crack the systems that held the treasures? Learn the routes between stars that will become the best places to go. I never read so many books in my days as when I was gearing the brain for a heist. Soon enough, I found myself just reading whenever time's moments could spare. J'ai enlevé parce qu'on voyait plus les sous-titres. Pour ceux qui ont besoin de lire. Alors, 1, 2, 3. Ça. Ah, comme ça. Comment je le place celui-là? Ok. If that was locked, there must be something they don't want us to find. Ooh. Je suis d'accord.
pistolet, mutin, on s'en fout. Wow. My goodness. I had no idea that Vladimir's paranoia would amount to surrounding himself with all of this monitoring equipment. un casque de la flotte écarlate. Bon, ouais. Bah c'est sympa, mais ils sont fous là, quoi, j'ai envie de te dire. Wow. Donc tablette 2. Donc du coup, il doit sûrement avoir une tablette 1. La terrasse. Made too many promises to shine light on the details, but I cashed out from the fleet. Bought an old hauler and converted it into a flying traveler's inn. Even named it the Jolly Roger as a bit of history's chuckle. We sputtered around the settle systems as best we could, helping the helpless. A safe harbor for anyone who needed it. Eventually, retired from that as well. Had too much of the past, still needed Barry. Didn't stop Sarah Morgan from finding me though, in her hunt for one of the historical relics I stole from the UC. Been a part of Constellation ever since. A third life in the making, and one with a mission worth the toil. Ok. C'est où que je l'ai vu l'autre? When my former captain died, I knew my days with the fleet were marching to the cliff's end. I was already considered an old jack-o'-bones, scaring the new rooks on the fact that I was still alive. Grimm's laughing reminder that most of them wouldn't make it to my age. Tossing my youth away on gutting haulers for the fleet was one thing, but watching another generation doing the same, knowing where the end was for them, my mind started clocking hours on the point of it all. And that's when the beauty of the Blackest Sea started to catch me for the first time. Humanity's jaunt into the stars could use a friendlier meeting than gun and blade. And who could do better good out there than someone who had seen the darkest edges and lived to tip your ear to the tale? Paid in full for this little piece of the settled systems to call my own. The pot is starting to boil over back at Constellation with all this work we're doing with the Eye, so this might be the last time I set eyes here for a spell. Don't really know if my faith holds strong to Barrett's idea of what these artifacts are, but the science sings true. How did I get here? A crimson fleet rook turned old man astronomer, arguing with a physicist about what the stars themselves are. Caught a smile on this life. Owe it all to the others that didn't make it to keep going. Ah, voilà le... The first gut and run I ever pulled was a large cargo freighter, hauling kitchen and cupboard, food and other goods meant for homes. A fine test for a rook back then. Nothing like filling the key's belly to earn nods from the old knives. Went knuckle to bone with the freighter's crew straight away. Thought I was just eager to show myself off. Make sure my crew knew I was dangerous, even unarmed. Looking back, I think I just wanted to know that I was taking the prize the fair one's way. Give them a chance to fight for it. But even telling yourself you're winning it from someone is a break on a dark road. Every take was a smile on my face, knowing that I was better, stronger. And quiet moments to feel guilt's reflection were easily shattered when you know the UC is always hunting you.
On s'en va, c'est bon, on a tout fait. Je crois qu'on a tout fait. Donc on a eu les 5 enregistrements. Bon. ,5 la gravité. Ouais, 0,5. Sympa. Bon, ben, c'est sympa ici. Sculpture. Ah oui. Ça, c'est pas une sculpture par contre. Bon, ben, on a fait le tour. Je crois qu'on peut tout simplement partir. Keep scanning. I'm sure there's something nearby. Non, mais on va partir. On va partir, il n'y a rien de très très intéressant. Bon bah c'était bien. On a appris quelques petits trucs sur sur Vladimir. Ship's good. Buckle up and let's go. Tiens, je vais pas tester ce que ça va donner, le fait de pas pouvoir changer la caméra. Ouais, non, en fait, je fais avec cette touche-là. Ouais, ça va. Y a pas de problème. Bon, par contre, les mecs, va falloir réparer un peu le vaisseau, non? Éteint. 100%. Ok. Alors, on continue à explorer un peu les systèmes qu'on n'a pas vus. Et après, on ira voir notre copain Vlad. Voir s'il a des bonnes nouvelles pour nous. Wow, on n'a pas fait ces trois-là. Alpha Ternion. Let's go. On est toujours à la recherche des temples. Target's engine is down. Easy peasy. Hit their engines. On peut toujours leur tirer dessus, hein. Ils sont juste invisibles, hein. Ils sont pas invulnérables. Hein. Pour ceux qui se demandent. Ils sont juste... Ouais, ils tournent juste un peu invisibles. Quand on arrivera à une... Comment dire... À une... un spatioport là, enfin port... port spatial, on changera pour des lance-roquettes ou des trucs comme ça. Des missiles. Des EM. Très bien. Alors, un avant-poste civil. Qu'est-ce qu'on a? Donc on est à Alpha Ternion. Sympa, non? Avant-poste industriel. Avant-poste civil. Là. Avant-poste industriel. On se pose parce qu'il y avait des...
Laboratoire robotique déserté. Poste civil. Il y avait des... Comment ça s'appelle? Des Astriens, donc on peut peut-être se poser. Ça serait bien que les... Ça serait une indication de temple, ça. Mais bon, je pense pas. Je pense pas. All clear. Time to land this ship. All geared up and ready to go. Alors... Structure... Repère naturel... Ah, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Echinolam. C'est un Pokémon, ça. On prend une photo, on prend des souvenirs. Ah, c'est pas mal comme ça. Un peu exposé, mais pas trop. C'est moche, hein. Voilà la gueule que ça. Bon, nous fait pas chier. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, nous on a quoi? Forme de néant. C'est quoi déjà forme de néant? Ok, ouais. Beaucoup de bordel partout. Ah, un truc par contre avec le scanner du coup, c'est que je peux pas zoomer en fait avec la molette. Ah oui, c'est vrai que ça c'est un peu embêtant. Bon après c'est pas très très... C'est vraiment le seul truc que j'ai négatif en fait. Je peux utiliser les touches. Donc c'est pas vraiment un problème. Et oui, parce que le jeu, du coup, ne dissocie pas le zoom du scan avec le mouvement de caméra. C'est bête, hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a à trouver, là, en fait? Enfin, c'est où, le... Ah oui, mais c'est super loin, en fait! D'accord, c'est derrière la montagne. Je pensais que c'était dans la montagne. On va leur parler vite fait, voir ce qu'ils ont. Bonjour. Ils vont sûrement nous donner une mission. Allez chercher machin, il s'est perdu. Bah après, si c'est ça, on va peut-être pas le faire. On va voir. Of what we've built here. Not everyone wants to live in a flashy city. Ouais. I'd offered to sell you some supplies, but I'm off the clock. Look for someone behind the desk. Okay. Nice to meet from you. The rest of the we don't see a lot of new faces. Qui c'est qui est derrière le comptoir? I'm glad someone came along. Oh merde. We could really use your help. We were out on patrol when corrosive vapor started to spew out of cracks in the ground.
Ah, c'est embêtant. It wasn't until we made it back that we realized that one of our crew was still out there. She must have gotten hurt in all of the chaos. We need you to bring her back. Can you do this for us? Thank you so much. Please trop, be careful. Trop bon. Time to get back to it. Putain, elle m'a chopé pendant que je montais l'escalier, quoi. I used to work for Ryujin Industries. Trouver la personne disparue. Boy, am I glad to... C'est loin. Attends, t'es sérieux là? C'est méga loin. Oh lolo. Bon, après, la bonne chose, c'est que une fois qu'on est là-bas, on peut faire un voyage rapide. Ça, c'est bien. Rien du tout du team. C'est bien les boosts. C'est vrai qu'il y a plein de fumerolles partout. Hein. J'avoue qu'à chaque fois on en voit. Chaque fois qu'on avance. Bon, après on s'en va. Hein. Mon dieu, c'est quand même vachement loin. Excusez-moi, je passe. Faites pas attention à moi. Il y en a beaucoup de ces trucs-là. Les mecs, ils ont dû prendre leurs jambes à leur cou. Tu vas me dire que tout le trajet, il y a personne qui s'est dit « Tiens, il manque quelqu'un du groupe. » Non ? Il y a personne qui s'est dit ça ? Non, mon dieu, qu'est-ce que c'est loin. Ah, bonjour, je fais que passer. Plus jamais. 2 minutes de course, exactement. Okay. Est-ce qu'il y a des trucs encore en vie ici? Non. Bonjour. Little help here, please. Ouais, on est médecin. If you know what you're doing. Ah. Much better. Thanks. We should get out of here. You lead the way. Ça marche. Allez, voyage rapide et hop, on boucle ça. Ça nous fait de l'expérience spatiale. Ah ouais, quand même. J'avais pas vu. Non.
je fais ça. Oui. Ah, jolie cette photo. C'est moi qui l'ai prise. Eh ouais, je sais. Ils étaient marrants ces bestioles là. Wow. Okay. Ils étaient sympas ces créatures. La couleur en fait bleutée là, elle était bizarre. C'est pour ça que je les ai pris. Allez, on rend ça, on retourne au vaisseau et on continue notre exploration. Bonjour. You're back. Thank you so much for taking care of our friend. Please take this. It's not much, but I hope it's enough to make the trouble worth it. Thanks again. Après, je vais être honnête. 4000 de crédit et 150 d'expérience, c'est très potable. Ouais, t'étais un explorateur et t'as pris une flèche dans le genou, c'est ça? Ça, on me la fait pas, moi. After you, Captain. Très bien. Faut qu'on se soigne. Il y a le lait, je vais le garder. Ah, j'ai pas le 2. Si, j'ai le 2, normalement. Je vais garder le lait parce que il me faudrait du lait, du beurre, des trucs comme ça, en fait, pour que j'augmente mes recherches. Alors. Ship's clear and the sky's calling. Stable orbit achieved. We could stay here forever. Well, ouais, mais non. For a while, anyway. Alors. Je veux bien. De toute façon, ça m'étonnerait qu'on trouve des trucs comme ça. En allant au-dessus des planètes. Voilà. No matter how many times we jump, it never gets old. Beta Ternion. Caisse de livraison. Bienvenue à Beta Ternion. Labo de culture organique. Reliant médical. On a quoi avant poste? Cimetière. Ah oui, c'est vrai qu'on a des, on a une mission là. On va faire ça. Je crois que j'ai deux missions où ils nous disent de récolter des choses. Rien de très très difficile donc. Bon. Alors, cimetière. This is a commercial passenger transport liner wanting to alert you about hostiles in the system. Okay, merci. It's our company's policy. Us friendlies have got to watch each other's backs out here. Safe travel, stranger. Ouais, merci.
Je me demande si lui on peut l'attaquer. Enfin oui, on peut l'attaquer, mais du coup... Faudrait... À un moment, je vais prendre le côté de la flotte écarlate, là, et foutre un peu le bordel dans le système, ça peut être marrant. Mais ce sera dans un autre univers. Landing site is clear. Let's head down. Time to find out. Cimetière. Structure. Enfin, on doit vraiment parler à Barrett. Après, on ira parler à Barrett si j'y pense. Je sais pas exactement ce qu'on doit récupérer, faudrait que je mette la mission, tiens. Alors, à quoi ressemble ton cimetière, là? Ah, quand même! Quand même, c'est gros. Fais voir un peu la mission. Récolte-t-elle des échantillons sur Beta Ternion 3? Ah, c'est juste des échantillons. Ça doit être des créatures qui sont devant nous. Ah mais c'est pas du docteur ça. Vous savez le mec qu'on a fait la mission pour les orimorphes. Si c'est ça. C'est ça. Bon, hein, la façon... La façon passive, c'est pas le top. Allez, monte, putain. Voilà. Voilà, personne n'a rien vu, tout va bien. On a été très très poli envers la nature, je trouve. On va parler à Barrett. Nice day, huh? Perfect. Now I can focus again. This is amazing. The unity, the multiverse, this is everything and more, literally. Ça fait beaucoup d'infos. Je savais qu'ils étaient humains. I admit, I was really hoping they were. But I cannot believe I limited my hopes and dreams to only aliens now. Jeez. This explains so much, though. They're disorganized, petty, weird, and also deeply fascinating at the same time. Because they are just people,
We never rule that out, but it feels so good to know we weren't fighting against robot alien ghost gods or something. Ah. Alors, ce sont des monstres, leur insanité a fait souffrir des gens. Oubliez le stress et l'unité, le cœur du problème, j'en sais rien. Vous leur faites vraiment confiance après tout ce qu'ils ont fait? Non, not even slightly. They're people who obtain power in some unfair way. And some of them have used that power to cause suffering, and others just didn't want to share. But that's what regular people do every day of the year. Je sais pas. Ouais, l'unité, le problème. True. We need to approach this critically and carefully. We can't just jump in. Or, I mean, we could, I guess. But it all comes back to this. We don't know what will happen if you enter the Unity. You might lose yourself or become a two-headed space shark. There are too many variables. J'aime bien comme il explique ça. What? No. I just have to go back and forth about it for a while first, and then I'll be completely fine. Just part of my process. Of course, at the end of the day, it's your choice. But I will say this. Our entire purpose in Constellation is to explore. Why would we stop now? C'est vrai. D'accord avec vous, il faut que je le fasse. I'm with you. I'm not going to hold you back. But if you, you know, become evil or whatever, I'm also not going to have your back. ça marche. Anytime. The possibility of turning evil aside... I appreciate you taking the lead on this. You're guiding Constellation to new frontiers, new discoveries, and we should all follow your example. On that note, there's something else I'd like to discuss with you, if you have time. It's not on the scale of entering the Unity, but it is tangentially related. J'ai du temps. Thanks. This has been swirling in my brain goo for a while now. So, I've been pondering over what's happened and what it all means. À propos de la relation, j'imagine. I've got a favor to ask. A teensy weensy favor. About the size of a plank length, really. Quoi? I think it's time I joined you in the physics bending powers business. Ah. See if one of those temples works for more than just you. Quoi? Ah, mais tu veux un pouvoir? Vas-y, viens. Marvelous. I'm glad you're as gung-ho about this as I am. As it so happens, I've already talked to Vladimir. Seems our eye in the sky is back up and running. He sent me the coordinates for the temple already. What? We just have to visit. Attends. Attends. Tu vas me dire que moi, je lui parle depuis... genre des heures. Pas des jours dans le jeu, il branle rien, il me dit oh, j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé et tout ça, et il t'a donné à toi les coordonnées d'un temple. What? Ouais, toi aussi faut qu'on te parle. What? C'est quoi l'arnaque? Genre c'est moi le personnage principal, c'est moi le héros, merde. Ou le vilain, peu importe. On sait pas ce qu'on va devenir après, on s'en fout. Mais c'est moi le personnage, merde. C'est mon histoire, Barrett, c'est pas la tienne. Oh, la vache quoi, magnifique. Into position. Magnifique. And we are now in stable orbit. Pourquoi il y a deux endroits? Alors, emmener Barrett, rapport des échantillons, emmener Barrett. Ah, ok, c'est ce qu'on a fini. Ça, c'est bien qu'il nous indique les deux, en fait, quand on a fini. Ok. Oborum prime. Oborum, on est déjà allé à Oborum. Temple Sigma. Putain, mais on est... Mais non, on est déjà allé, là. Oborum prime. Donc il y avait un temple. Mais nous, on a atterri où?
Incroyable, incroyable. Incroyable. Ça, c'est une bonne surprise. Non. Want to do it again, just for fun? No? Non. Sigma en plus, le temple. Sigma Mel. Sigma. Est-ce que vous avez aussi des musiques? Ouais, mais Barrett, quand j'ai dit que tu pouvais avoir un pouvoir, je déconnais. Hein. Aider à Barrett à obtenir son pouvoir. Mais t'es sérieux dans... Putain, attends. Est-ce que t'es sérieux? J'ai vraiment... Genre, j'ai vraiment abandonné un pouvoir pour le donner à Barrett? Ah là, ça serait... ça serait marrant, ça, tiens. Toujours les cons. S'il faut, il va se rien se passer avec lui. Hein. Non. So, this is it. Ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais entendu parler du fait qu'on pouvait donner des pouvoirs aux compagnons, donc ça m'étonnerait. Bouge pas, Barrett, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est bon, t'as ton pouvoir, Barrett? Barrett. Hello, universe. This is Barrett, returning your call. What in the... Who in the... What? Qu'est-ce qui se passe? Hello, handsome. Parlez au Barrett. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un Barrett d'un autre univers? You've got to be joking. Nope. Okay. Barrett Bis. Skipping the initial shock of it all. Agreed. Not worth it. Forming a hypothesis. L'un d'entre vous pourrait m'expliquer ce qui se passe. Molecular binary schism? Temporal twinning? Group hallucination? Don't forget the fluctuations in the energy patterns, which align almost deterministically. Harmonized vibrations distorting some mechanical barrier between neighboring universes? Impossible to know with such a minute subset of readings. We need more data. Obviously.
Qu'est-ce que je vais faire de deux barrettes? Why stop at two? It won't work. The energy required increases exponentially per anomaly. Ah. I'm already exhausted. In a way that's hard to describe. Not physically or mentally, but something else. Sorry, friend. You'll feel right as rain when I dissipate. Bienvenue à bord. Whoa there. Sustaining this connection requires a lot of concentration. Is this permanent? You will eventually monitor the energy fluctuations and agree. But no, this is unusual. I could study this forever. Irvin told me to just enjoy it and collect data on the side for later. And I'm glad I did. Irvin? He's with you. Ah, il est toujours en vie, Irvin. He's... Okay. Pour l'autre. By the tone of your voice, I'm gathering some things in our lives might be a bit different. Is he happy? Yes, he is. Our daughter pilots the ship after Vasco was destroyed. But otherwise, we've survived the war well. La guerre. Going on 20 years now. But we're starting to turn the tide. Mais la guerre contre qui? Imagine all of the variations. It's endless. Tout a l'air différent. I have so many questions. I wonder how many paths I've taken. We've taken. How many variations? How many ended with heartache and how many with joy? I think about that all the time. Il faut pas y penser à ça. What's that noise? Starborn ship. Soyez prêts à vous battre. We can handle this. On it. Si jamais ils sortent pas. Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Ah, fort better. Much better. Just look at this place. Incredible. Ah oui, c'est vrai que je t'avais donné un super flingue, Barrett. Something happened. I can't hold on to you. I'm struggling. Being pulled through the barrier. This is probably it, friends. Amundsen, cherish every moment with them. I already do, my friend. I promise. So look, for the record, I am the same Barrett that came here with you. For sure. I think. J'ai remarqué. Could you imagine if I just kept pulling other Barretts into existence? Forever? An entire universe full of me. Je ne crois pas que ce soit true. Possible. How would I stand out in a crowd made entirely of myself anyway? Anyway, it's a relief, you know. I have this ability, this power. And I'm still just me. Just regular Barrett. And they already feel like it's subsiding. I no longer feel like I'm in a huge crowd. Ce pouvoir m'a l'air utile. Other me, other Barrett, seemed like he was able to handle himself well in that fight. Anyway, we'll see. If the other me gets in the way, I can just release him or stop using the power entirely. For now, I just need to use this power a bit and digest what all has happened. Utilisez votre pouvoir quand vous voulez, Barrett. That's pretty exhausting, really. So I might only do it when I feel like we could use backup. For now, anyway. Non, attends, t'étais vraiment en train de me dire que maintenant, Barrett, il a un vrai pouvoir? Et genre, il peut... C'est énorme. Il peut l'utiliser en combat?
soit parallèle. Sortant tout droit du vaste multiverse, une version amicale de vous-même arrive, armée et prête à donner un coup de main. Ça tue ? Oh, regardez en plus. Il y a toujours 3 temples non découverts. Donc en fait, ça, les autres... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Putain, encore 10. Doivent être tous liés en fait à des événements. C'est abusé. C'est abusé. Ah mais ça, je m'y attendais pas, ça. So Ellie contacted me about the case. C'est qui Ellie? Oh sure. Ellie Yankton from Gagarin, the lawyer. Ah oui, oui. She handled Irvin's case for us after we did our investigation. Putain, j'ai eu un gros flashback. Ça marche, dis-moi plus, on prie. Ouais. Same. I was beginning to get worried since we hadn't heard from her. But that's interstellar communication for you. Anyway, we have a verdict. Irvin's record will be expunged on account of his death occurring before the trial ended. It's a technical victory, but we'll take it. We can't change the system that made this happen. But I'm glad we tried. Vous transmettrez mes félicitations. Already did, of course. And a third of the settlement. Just made sense considering how much she did for us. And speaking of the settlement, I divided it into equal portions for me, you, Ellie, and expenses. Here's your share. And I sold the apartment. So here's the bonus from that after taxes. I gave my portion to Ellie so she could fund other cases. So there it is. I guess it's over. Affaire classée, détective. There it is. I guess I needed to actually hear someone say it. Case closed. Whew. Finally. It's not lost on me that you've encouraged me to pursue this investigation from the beginning, you know. I appreciate your support more than you can imagine. Thanks, detective. Ça fait une bonne... On fait une bonne équipe. I'm glad you haven't changed your mind on working with others after all this. A long time ago, you talked about valuing teamwork. You really meant it. Don't tell the others. But I was having a hard time focusing because of all this trial stuff. So thank you for helping with that. Vous en faites pas, je garderai le secret. As close as we've gotten, I believe that. Usually Vasco's the only one I trust. Granted, he's programmed not to blab. With you, no special protocols required. But honestly, I appreciate having someone else to chat with. Well, besides the millions of other Barretts out there. But having yourself as your main conversation partner, that's a little narcissistic, don't you think? Ça me dérangerait pas, honnêtement. C'est toujours bon à savoir, un autre Barrett dans le coin. I'll just remember which one of us is sticking around until later and we'll be okay. Anyway, I'm just glad we got everything settled with Irvin's case. It was just one loose end in a universe full of them. But I'm glad it's tied. Hey, Captain. Can I talk with you for a bit? Barrett, on parle trop là. Bah après, honnêtement, je suis content ça d'avoir... On a fait ça il y a quand même pas mal de temps. Après, on s'est dit, tiens, on va faire l'histoire principale et tout. Puis maintenant, on en est là à prendre des pouvoirs pour les autres et tout. C'est sympa. Honnêtement, c'est super sympa. Je le voyais pas venir du tout, ça. So, I was thinking about our relationship and what it means in a multiversal reality. There are probably universes out there where we don't get together. And universes where we're a throuple. And of course, ones like this one. Where we do. It's both a fait accompli that we find love somewhere, but also highly improbable that we do in any one variation. Ok, on finit ensemble dans tous les univers, Barrett, acceptez-le. Intéressant. En trouble. J'aime l'idée que notre relation soit unique. Exactly what I was thinking.
It's not that those other universes are failures. Although compared to ours, they kind of are. It's just that they help us appreciate the odd, swirly-whirly concoction that made our relationship whole. That being said, it took me a while to get to my happy place. I may have been happy-go-lucky out of the box, but since then, I've gotten a few dings. And when we discovered the multiverse was real, man, there were moments I was drowning in self-pity. Vous avez pourtant l'air surexcité sur le moment. Well, I was riding the high of discovery. Then came the implications. There were other Barretts out there. Other Irvins. Whole universes where desserts are banned for being too decadent. But then you came along. Helped me doggy paddle my way to safety. I guess what I'm saying is there's a chance being in this situation would have crushed me. Knowing there were other Irvins out there, other lives where we were happy, I would have thought to myself, why me? Why am I alone? But that's not the case, is it? And while I will always love Irvin, the fact is he was from another universe. One what? That passed with him. The me that's standing here now, he wants to live in this universe. For as long as it takes. With you. Engagement. Oui, mais on peut pas parce que... Oh, I love it when you know what you want. You just light up with energy. I'm honestly a bit overwhelmed. But in the good, happy, brain.exe is malfunctioning kind of way. Oh, le mec, c'est un gros nerd. That human emotions just overcomplicate things. But it is who we are. Il faut qu'on trouve un partenaire à Vasco, ça le fera changer d'avis. Oui, on va aller full. And I love you, you know. I think everything we've discovered helped me conceptualize all this loss. Once I was able to do that, I could love myself enough to love you. And I was just wondering if, I didn't prepare this far. Épousez-moi. Aye, aye, Captain. That's an order I've been waiting to hear. Married. I was so happy just being with you that I forgot about those societal rituals. Humans develop these things to declare our allegiances and define who we protect and provide for. Over time, it became more about celebrating love and hope for the future. When Irvin and I married, we picked a place that we both loved, that was strongly symbolic. We had tons of friends and family. It was a big deal, and it was exactly what he wanted. This time, my only request is that Vasco officiates for us. He's a machine, I know, but he's family. Ça marche. I can't wait to see the look on Vasco's face. You know what I mean. Whew. Big breath. Okay, I'm ready. And I can't wait to say I do. Okay, cool. La question c'est, est-ce que ça va fonctionner? Parce qu'on est techniquement déjà marié à Sarah. Mais j'ai l'impression que les deux sont coupés, que ça soit personnage féminin et masculin. Parce qu'on pouvait coucher avec Sarah, parce qu'on est marié et tout ça, parce qu'on est proche, mais on pouvait le faire aussi avec Barrett, alors qu'on peut pas le faire avec... j'ai oublié son nom... Avec... Andrea. On peut pas le faire avec elle. Donc du coup, je pense que c'est à cause de les différents sexes, en fait. J'imagine. Enfin, c'est pas le plus important, c'est le plus important, c'est le pouvoir, la puissance. Putain, ça tue. On a un soi parallèle, du coup. Et yes, my love. Tu peux... Non, je m'en fous. En fait, faudrait qu'on aille au combat avec... Tais-toi. Faudrait qu'on aille au combat avec Barrett, voir s'il peut... S'il va faire ça, en fait. Genre appeler un double. Parce qu'on est d'accord qu'il l'a dit, hein, qu'il le ferait. Hein. Ça tue, quoi.
On peut donner des pouvoirs aux gens, quoi. Je suis en train de me demander si on n'a pas un pouvoir à récupérer avec... avec Sam, du coup. Mais du coup, Sam est plus là. Parce que quand est-ce que ce système de pouvoir arrive, en fait? C'est à certains moments de l'histoire ou c'est parce qu'on est proche de quelqu'un? I'm requesting do you have any new orders for me? Yes, I do. Here, it's all yours. Merci. Stay safe. Est-ce qu'on a... Parce que maintenant, je vais devoir faire attention. Parler à Andrea. Andrea. Elle est où, Andrea, du coup? Elle est à la loge. Tout, on s'en fout. This is a beautiful place, don't you think? Oh, my day just got a whole lot brighter. Vous avez quelque chose d'intéressant pour moi? I certainly do. It's all yours. Genre pourquoi? Oh, I miss talking to you already. Ma question c'est pourquoi Barrett en fait? C'est pas ma question. Pourquoi Barrett et pas un autre? C'est ça qui m'a... Parce qu'à la limite, Sarah serait le plus... Même si on n'épouse pas Sarah, Sarah est plus ou moins le personnage principal, en fait, de... non, enfin, le personnage principal secondaire que de l'histoire. Donc, pourquoi pas Sarah? C'est ça qui me turlupine. Pourquoi pas elle? Pourquoi Barrett? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Hey. You might want this. Oui, non, mais c'est bon. Ah oui, aussi un truc, je vais regarder si ça a augmenté, mais... Non, 0 sur 5, parce qu'on a bien tué des vaisseaux, là. Je comprends pas. On va essayer d'aborder la prochaine fois qu'on combat un vaisseau, voir si ça change quelque chose. Tais-toi! Mais ouais, c'est peut-être buggé en fait là, cette habilité, cette compétence, je sais pas. Hello, excellent to see you. So, we finally have all the answers. And yet, parce que tous ces événements dont lesquels il parle, c'est par rapport à l'unité en fait. Talk of the unity of a multiverse? Dead friends appearing again? It is all simply too much. Donc du coup, en théorie, il y a toujours Sarah ou alors Sam qui doit mourir, là. L'artefact, les pouvoirs astriens, tout ça, ça semble. Does it? Perhaps you find all this satisfactory, but I am afraid I do not. We must take the word of a murderer and follow him into the unity? What if it does nothing the Starborn have claimed? Tout ce qui concerne le grand serpent vous semble logique, n'est-ce pas? Pour moi, c'est pareil dans ce cas. Ah, ouais. I do not know how to respond. Ah bah oui. I understand what you are trying to say, but I just cannot feel the same way. Oui, mais bon, c'est normal d'avoir peur, c'est un saut dans l'inconnu. Nous devons voir où cela nous mène. Ce qui est réellement l'unité. Yes, I understand there are profound implications to all of this, but I do not see how you can be so eager to follow in the footsteps of the Starborn. Even if everything the Starborn have said is true, if you pass into this unity and come out in some other universe, look at who they are, at what they have become. They have the faces and voices of people you know. But are nothing like them. Are you not at all worried that the same fate would befall you? That you would become someone unrecognizable to the rest of us? Mais oula, attends, t'es en train de mélanger des choses, là. Et, oui, on passe par l'unité, genre on arrive dans un autre univers, par exemple. Bah voilà, mais nous on disparaît, du coup. Dans cet univers-là, il n'y aura pas un double de moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, si?
C'est l'essence même de l'exploration, prendre des risques, s'aventurer dans l'inconnu. Je comprends ce que vous dites, mais je dois aller jusqu'au bout. Yes, I know. I can see it in your eyes. For your sake, I will try not to imagine the worst. Focus on the positives instead. But you must understand that I do not find this easy. We should get back to it. Now that we know what to work towards, there is no time to waste. Ok. Ok. Je pense qu'il y a des pouvoirs en fait qui sont liés à des événements. Faudrait que je regarde ça pour être sûr. Hey, let me know when you're ready to take me along with you. Should only be a few years. Ça marche. Je suis certain que c'est lié à certaines choses. Alors, ramener les échantillons, ouais, mais ça c'est sur Mars. Engagement avec Barrett, oui, bon, ça on verra. On va aller voir l'œil. I have something for you. Je pense que certains pouvoirs doivent être bloqués derrière des choses à faire en fait. Mais c'était vraiment pas prévu hein, de voir Barrett avec un pouvoir et tout. Je trouve ça super cool. Hmm? Oh, sorry. Voilà. Haven't catch the glint of one yet. On peut aller là. I have something for you. Proxima Ternion. Sympa ça. Avant-poste, caserne désertée, guerre coloniale. Oh! Plein de trucs. On peut aller voir la caserne. On est niveau 69, nice. Mais ouais, il va falloir que je me renseigne pour les pouvoirs. Parce que j'ai pas vraiment envie d'en rater. Faut qu'on teste. On va voir s'il n'y a pas un combat. Enfin, si on va combattre ici ou pas. Encore beaucoup ou pas? Ça peut aller. Je vais arrêter d'identifier les planètes parce que ça sert un peu à rien. J'avoue que là on va explorer ça parce que bon, c'est un peu original, on va dire, mais surtout c'est parce que j'ai envie de tester s'il y a du combat.
Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de trucs que... Ok, c'est bon. Vache. Alors... C'est protégé. Sauvegarde. Ah, on va tester notre jumeau. Ça va être marrant, ça, tiens. Merde, il y avait un mec derrière nous. Salut! Fais attention où tu les balances tes grenades, s'il te plaît. Barrette, balance ton pouvoir un peu, qu'on regarde. Hey, ils m'ont fait mal, oh vache. S'il change d'arme, il change d'arme ou pas? Ah, non, il doit avoir la même arme quand je l'appelle en fait. Let's go. Let's go. Tu vas me donner un coup de main? T'es un peu inutile, hein. Ah, mais t'es un peu nul. Vas-y, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Waouh, ok. Ok, c'est peut-être pas la meilleure arme pour toi en fait. Ouais, t'as défoncé un peu tout le monde en fait. À l'intérieur. Non ! Deuxième barrette. Donc ouais, il utilise son pouvoir, ça tue. Est-ce que t'as pris les objets qu'il y avait sur le cadavre ? Il a sa propre arme. Oh yes ! I know how this ends.
C'est plutôt fun. J'avoue que là, je m'attendais vraiment pas à avoir un compagnon en fait avec des pouvoirs et pouvoir aussi invoquer un double. Alors là. J'avoue que là, je m'attendais pas à ça. Attends. Allez. Oh, tu l'as one shot. Après, c'est juste qu'il a un peu une réaction de merde. C'est juste ça le problème. S'il pouvait, genre, tirer rapidement, enfin, réagir plus vite. Ce serait bien. Mais honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça, c'est vraiment sympa. Alors... Regarde s'il y a des bouquins, surtout. Truc intéressant. J'ai vraiment pas assez de dégâts à ma truc quand même. Adorable. Bring it. Il y a plein de monde partout, putain, ça a dû. C'est quand même... Ouais, c'est quand même puissant cette arme. C'est bizarre, j'ai plein de douleurs. Ah oui, non, mais c'est parce que je suis... J'ai une blessure en fait. Pardon, j'ai rien dit. Fracture en fait. Mais ouais, cette arme est quand même bien bien abusée. C'est moi. Bis. Même le bruit, ça me rappelle limite les armes des Goa'uld dans Stargate, là, les bâtons. Un peu, non? Un tout petit peu. Je me demande s'il n'y a pas une clé pour ouvrir. J'ai vu qu'il y avait maître pour forcer la serrure, mais...
Ah, bonjour, je suis passé derrière vous. Oh mon dieu, les dégâts, quoi. Novice. Les munes qu'il y a. Faut que j'enlève ma fracture. Je crois que c'est ma fracture qui me fait descendre mes HP là, le plus souvent. Là. Et il a fait appel à un deuxième barrette direct. Ouais, c'est super cool. Le fait qu'il l'utilise en plus aussi souvent, c'est comme si vous baladiez avec deux persos presque. Je suis assez étonné. Je le voyais vraiment pas venir celui-là. Parce que la plupart du temps dans les jeux Bethesda, c'est toujours... Bah, ils aiment bien avoir leur style, comme je dis toujours, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est juste que pour les compagnons, c'est toujours très très limité dans le sens où vous pouvez pas vraiment vous balader avec une armée... Et, c'est pas pété quoi à chaque fois. Donc de pouvoir avoir ça, honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien. Hop. That didn't take long at all. Tu te fous de ma gueule ou t'es sérieux? Il y a plein de munitions partout quoi. Après, on va regarder ce qu'on a récupéré. Exterminateur, un pacificateur exterminateur. On peut le prendre, on va faire le tri après. Oh mon dieu. Ah, mais après, c'est une armurerie, hein. Mais, ouais. Ah, c'est sûr que c'est une bonne armurerie là. Ah, au final, c'est assez simple de se stuffer quand même. Par contre, je vais juste. On va bien savoir. Où est l'endroit qu'on... Enfin, un endroit qu'on n'a pas visité, mais je pense qu'on a plus ou moins tout fait. Non, pas là. Apparemment, si on est venu... Laboratories are secret for legitimate safety reasons. Ouais, bah là, on a la raison pourquoi. La contrebande. Il y en a beaucoup en plus. On pourrait la prendre et la mettre de côté.
Ça fait beaucoup. What if we leave a few things here and make a second trip? Nah. Je crois qu'on a, on est bon. Donc du coup, tout le monde, maintenant que j'y pense, tout, n'importe quel humain en fait, peut avoir un pouvoir. Ah, je pense que c'est ça en fait l'histoire, c'est que tout le monde, n'importe quel humain peut avoir un pouvoir. Par contre, il n'y a pas tout le monde qui réagit aux artefacts en fait. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas tout le monde qui réagit aux artefacts. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Du coup, tout le monde ne peut pas devenir un Starborn. Un Astrien. Je crois que c'est ça, en fait. Vous avez vu, maintenant, il y a même ça aussi qui indique que j'ai de la marchandise, là, de contrebande sur moi. Ça, c'est cool. Alors, hop. Alors, faut voir ce qu'on a récupéré. On a un solstice. Ça sert un peu à rien. Grendel sert un peu à rien. Orion en titane. Ouais. Il y a ce pacificateur là qui a augmenté la contrôler les monstres. Chargement manuel. Ah oui, les dégâts sont. Ok. Refroidissement, chance de désarmer les assaillants. Il n'y a rien de très intéressant en fait. Rien de très très intéressant. Bon, je suis un peu déçu. Fais voir notre poids. 326. On a... Ouais, on va enlever des tenues. C'est les tenues qui doivent peser extrêmement lourd. Oui, voilà. On est bon ou pas? Encore un peu. Parce que ça, ça vaut pas très cher, en fait. Donc... Bon ben voilà. Le truc c'est que je pourrais aller à Néon pour vendre ma marchandise là. Mais comme j'ai dit, de toute façon j'ai tellement d'armes à vendre que du coup ça ça changerait pas grand chose en fait. C'est là ouais, on a masse d'armes encore une fois. Je dois avoir au moins 20k, peut-être plus. C'est où que j'avais mis les... Merde, je me rappelle plus. Je me rappelle plus où je range mes contrefaçons. Pas mes contrefaçons, là, les... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Contrebande. Valo? C'est Valo, ouais, c'est Navachi. Parce que vu que, comme j'avais expliqué, je sais maintenant que par exemple à Néon on peut revendre
cette marchandise. Bah, on pourrait faire ça, mais bon, du coup, il faut passer la sécurité, c'est relou. Et si jamais... puis une fois qu'on arrive, voilà, on vend les trucs, c'est fini. Hey, mais, j'ai encore plein d'armes. J'ai encore plein d'armes. Donc du coup, voilà, quoi. Tout ça, ça me sert techniquement à rien. Autre chose. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est un épisode assez sympa. Honnêtement, je suis assez content d'avoir découvert ça, là, que du coup, les gens peuvent aussi avoir des pouvoirs, les gens avec nous. Et moi, je vais aller regarder, en fait, les pouvoirs un peu qui me manquent. J'ai peut-être un peu me spoiler de ce côté-là, dans le sens où si on tourne en rond pour rien... Ça sert un peu à rien de le faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc je voudrais un peu me diriger en fait dans la bonne direction par rapport au pouvoir. Genre est-ce qu'on va jusqu'à la fin et on finit notre combat contre le chasseur et l'autre, ou et l'émissaire, ou alors on continue à tourner un peu. Donc ouais. Mais encore une fois, super surpris que Barrett ait eu ce pouvoir. Je sais pas pourquoi lui en plus. Après il est très très scientifique et tout Barrett, donc c'est assez intéressant. I have something for you. Oui, je sais. Tout le monde a des toujours tout plein de trucs pour moi. J'irai vendre le reste après. On n'a pas besoin de montrer ça en vidéo. Allez, on va s'arrêter là. C'était cool. On a bien avancé, découvert des choses et tout ça. Fait un peu de mission, fait un peu de quête et tout. Donc je suis assez content. Moi, je vais essayer de vendre un peu les trucs que j'ai. Et après, on continuera ça et on essaiera de trouver des pouvoirs. Ou alors avancer dans la mission principale et tout ça. Faire des trucs fun. Encore une fois, même si on essaye de se concentrer sur une chose, il y a tellement de choses fun en fait à faire à côté que du coup on a envie de tout faire en fait. Donc ouais. En tout cas, c'était super cool. À la prochaine, merci beaucoup. Ciao.